Yo les icos, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Cinquième jour de confinement. Donc là aujourd'hui il fait pas très beau. Donc voilà, j'ai rajouté une petite lumière pour qu'on voit un peu mieux. Mais de toute manière, retenez bien que les jours où il fait pas très beau, c'est souvent les meilleurs jours pour répéter. Voilà, il y a des fois, voilà, ça motive pas trop les gens à faire des choses. Mais vous, c'est peut-être pas votre cas. Enfin, ça ne doit pas être votre cas. Dites-vous que c'est le meilleur moment parce que vous n'allez pas être dérangé. Il y aura personne qui va traîner autour. Enfin voilà, vous serez vraiment tout seul. Voilà, et donc c'est un conseil que je vous donne. Et moi personnellement, je sais pas vous comment ça se passe, mais je suis plus inspiré quand voilà, il y a un voilà, quand il y a quelque chose de fort qui se passe, soit à l'extérieur ou soit même par beau temps. Mais quand il y a un temps neutre comme ça, bon voilà, il n'y a pas trop d'inspiration qui vient. Mais là, profitez des jours où il fait même quand il fait pas beau, c'est souvent là qu'on fait les meilleurs répés. Alors, on va reprendre un petit morceau d'hier là. Alors. Bon bah quelques erreurs mais c'est beaucoup mieux qu'hier, rien à voir. Là le feeling est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Ah ça valait le coup. D'ailleurs je me disais oh, la flemme un petit peu, il fait pas beau, mais comme à chaque fois je sais, même quand il fait pas beau, c'est surtout quand il fait pas beau qu'on joue le mieux. Enfin moi j'ai trouvé. Parce qu'on a besoin du coup de mettre du soleil en fait, du coup on a besoin avec notre musique voilà, de se remonter un peu le moral et c'est vraiment ce qui se passe en fait. Ok, tiens, un autre morceau que j'avais essayé l'autre jour. Alors, je me suis pas beaucoup entraîné dessus, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va bien passer. C'est un morceau de Piper hein, par excellence, sûr. Thank you.
ça passe, mais c'est perfectible. Hein. On va reprendre les morceaux avec les bémols, tiens, ça fait du bien. Quelques soucis des fois pour les transitions là. Les do là, évidemment pas évident. Je fais souvent des do dièse, donc ça à travailler, mais je fais exprès de travailler celle-là parce que les do dièse c'est plus facile à faire finalement. Thank you.
ça va. Ouais, je suis tout de suite plus inspiré. C'est marrant quand il fait pas beau. Truc que je peux remarquer. Là, je sais pas, je suis là, je suis chaud, je pourrais partir changer plein de morceaux. Ouais, c'est bien ça. Exprès dans mes répétitions de tous les morceaux que je répète, je fais exprès d'avoir des morceaux avec des do, là, le doigté le plus chiant, je trouve, à l'Union Pipe. Et comme ça, bon, c'est pas encore propre, évidemment, hein, il y a des bruits de passage, mais le jour où ça passe propre, bah là, c'est bon, ce sera compris et ce sera à vie. Et il y aura plus vraiment grand chose de difficile parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est pas évident, hein, cet arpège-là. Hein. Le mi, la, do. Hein. Cet arpège là qui est très difficile, surtout à intégrer dans les morceaux. Voilà. Je suis inspiré, ben je vais continuer. Thank you.
c'est bien. Ça progresse. C'est bon, hier j'ai beaucoup bossé, je jouais très très mal et j'ai beaucoup bossé. J'étais un peu dégoûté, hein, je vous cache pas. Là aujourd'hui j'ai pas beaucoup bossé et ça sort bien. Je sais pas comment c'est possible. Cela, il n'est pas encore de mon niveau. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que celui-là, c'est pas encore mon niveau. Ok, bah celui-là il est pas évident. Peut-être je peux en terminer par un dernier. Finalement, je m'arrête pas. Une fois que c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Thank you.
Là, clairement, les doigts, ils déverrouillaient, là. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, du coup, je suis allé voir. Ok, Zico, bah, c'est pas mal, hein, même pour un petit trépied. Voilà, bon, là, c'est juste un extrait, hein, évidemment. Je m'arrange pour faire des extraits. Là, c'est un extrait plus long. Il dure 20... Ouais, quand même, presque 27 minutes. C'est pas mal. Là, on est pas mal, là. Là, c'est une bonne répé. Mais évidemment, hein, je joue des heures et des heures dans la journée. Là, je vais encore jouer 2 heures. J'ai déjà joué 3 heures, aujourd'hui, donc. Il est quoi? Il doit être pas loin de 19h. Maintenant, je vais encore jouer 2 heures ou 3. Puis voilà. Commence à être bien. Allez, Zico, bah, je vous souhaite une bonne répé. Profitez de votre temps. Profitez de votre temps. Pour certains, voilà, le confinement, c'est une horreur. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment une opportunité. Mais voyez-le en tant que musicien comme une opportunité de dingue que vous n'aurez peut-être plus jamais dans votre vie. Voilà. Donc profitez, vraiment, c'est mon message pour les musiciens. Si vous avez un projet que vous voulez vous mettre à fond sur un instrument, ce moment-là n'arrivera peut-être plus jamais. Hein. Et puis je le souhaite, hein, évidemment, tout le monde le souhaite qu'on ne vive plus cette épidémie qui est une catastrophe. Hein, c'est de... En France, on va voir, mais ouais, je suis un peu sceptique sur le côté. Quand tu te dis que la Chine, en 3 mois, ils ont réussi à presque éradiquer le virus, je dis bien presque, hein, mais 3 mois quoi. Nous les Français, 3 mois, bah, faut déjà qu'on se les fasse. Hein. Ça, on nous le dit pas, hein, mais évidemment, pour pas nous foutre les boules, mais je pense qu'on va se taper 3 mois, hein, vu comment c'est parti. Et... Mais possiblement plus, parce que voilà, les Chinois, bon, bah, les Chinois, ils ont une discipline de fer. Hein, voilà, nous les Français, c'est, voilà, on dit de pas sortir et on sort. Voilà. Là, dans l'Est, c'est officiel. Hein, dans l'Est, on est confiné jusqu'au 15 avril. Hein, donc, je ne sais pas le reste de la France comment ça se passe. Ça va certainement être le cas, mais nous, c'est clair. L'Est, ça se discute pas. On a gagné au grattage direct 15 avril. Ça se discute pas parce que les gens, ils se baladent à Strasbourg, apparemment. Hein, paraîtrait-il que les gens se baladent dans le parc comme ça, tranquille. Il y en a qui se sont découverts une nouvelle passion pour le jogging, soudainement. Voilà, tout le monde sort faire du jogging. Donc, voilà, mais bon. Du coup, bah évidemment, jusqu'au 15 avril, du coup, avec ça. Jusqu'au 15 avril. Mais ça va être la même chose pour le reste de la France. Donc bah voilà, j'espère qu'on va passer évidemment vite fait cette période. Mais en tout cas, pour vous, peu importe combien ça dure de temps, les icos, vous allez avoir du temps pour vous. Et profitez de ce temps pour investir dans vous-même. Vraiment plus que tout. Profitez de ce temps pour répéter des heures. Vous êtes seul avec vous-même de toute manière. Donc autant le passer dans quelque chose de constructif. Bosser, bosser. Moi, là, j'ai vraiment un objectif. Je me dis, si on doit se taper 3 mois de confinement, eh ben, je m'en fiche. Avec Lilian Pipe, voilà, je me dis, j'ai 3 mois. Eh ben, tu sais quoi? 3 mois, j'ai envie de jouer comme un professionnel, comme, je sais pas, Blacky O'Connell. Je veux avoir son niveau dans 3 mois. Je veux jouer comme lui. Lui, ça fait peut-être 20 ans qu'il joue, ou même 17 ans, ou même plus. Même si ça se trouve, ça fait 30 ans qu'il joue. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il joue, mais je joue super bien. Je veux jouer comme lui au bout de 3 mois. Voilà, objectif. Et c'est possible, c'est possible. C'est possible parce que bah, si tu fais que ça, si tu fais 7h, 8h par jour, je pense que c'est possible. Voilà. Et donc, bah, je vous invite à mettre le paquet parce que vous n'aurez peut-être plus jamais autant de temps pour répéter la musique. Et croyez-moi, 3 mois, c'est suffisamment long et suffisamment intense si vous bossez 8 heures par jour. Pendant 3 mois, c'est suffisamment long et suffisamment intense pour que ça vous fasse un bagage à vie et vous n'allez plus jamais perdre le niveau que vous allez avoir. Même si vous arrêtez après. Enfin voilà, c'est. Vous aurez passé suffisamment de temps, une fréquence suffisamment importante, une intensité suffisamment importante qui fera que vous ne perdrez pas du tout le niveau. Moi, actuellement, ça fait 3 mois que je n'ai pas touché un tin whistle. Bah, si je reprends une flûte irlandaise, évidemment, bah, j'aurais pas perdu grand-chose. Peut-être tu auras 5 minutes d'adaptation, mais voilà, il y aura pas perdu grand... j'aurais pas à perdre grand-chose parce que. J'ai joué des années et tous les jours au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, l'été 8 heures. Enfin bon, voilà, ça se perd pas. Pareil, en flûte traversière, peut-être je vais avoir plus de mal, mais en flûte traversière, je perds pas le niveau. Cornemuse, c'est pareil parce que j'ai bossé suffisamment intensément pour me permettre d'arrêter. Là, ça fait 3 mois que je fais que du Lilian Pipe déjà. Mais voilà, je vais pas perdre de niveau sur les autres instruments parce que bah, j'ai travaillé assez intensément. Donc, voyez cette période comme une opportunité pour vous de vous mettre à fond à la musique. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et croyez-moi, quand vous avez bossé suffisamment, c'est plus du tout le même plaisir. On est sur des niveaux de plaisir supérieurs. Allez Zico, je vous souhaite une bonne répé. Ciao!